Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Donc merci aux nouveaux abonnés de s'être abonnés et puis merci aux anciens d'être toujours là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une ouverture de participation. Donc ce sont deux participations que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres samedi 15 parce que mon concours s'est terminé samedi 15. Janvier, le 15 janvier, si vous avez posté votre lettre avant le 15 et que je la reçois que cette semaine, elle sera comptée dedans puisque le cachet de la poste fera foi. 1, 2, 3, il était une fois. Donc, il fera foi, donc il sera pris en compte. Par contre, ce que vous allez envoyer, si jamais, comment dire si vous l'envoyez cette semaine, c'est trop tard. Fallait y penser plus tôt. Je rigole. Je sais que beaucoup n'ont pas eu le temps de le faire. Donc c'est des choses qui arrivent. Hein. On n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. On fait au mieux. Et c'est l'important, c'est d'arriver à faire au mieux. Donc, je vais ouvrir. Alors, mon petit carnet. Voyons voir. Je prends mon petit carnet. Je tourne la page. Donc, numéro 28. Numéro 28. Participation numéro 28. Avec des jolis timbres. J'ai un petit bout de papier. Oui, j'ai un petit bout de papier. Voilà, une jolie enveloppe bien dodue avec de très beaux timbres. Donc je vais faire le petit papier, je vais noter tout ça. Le 28. Hop, hop, hop. Et hop, hop. Hop. 28. Numéro 28. Donc je regarde, oui, il y a l'adresse. Alors le numéro 28, c'est Lise et Eva de la chaîne T'es pas scrap. 28. Lise, hop là, et Eva T'es pas scrap, qui sont du 85. Donc j'ai fait le petit papier, je note le petit carnet, Lise et Eva. Là, donc j'ai le petit papier, je prends Dudule, grand Dudule. Et je tourne. Tourni, tournons. Ah, oh, ça m'échappe des mains. Du moment qu'il n'y a pas autre chose qui m'échappe. Hop, une petite papaye. Une papaye. Oh, la petite papaye. Bon, voilà, la petite papaye. La papaye. Alors, hop, on met dans la papaye. Et voilà. Ting 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 ting. Numéro 28. 28. Hop. Et voilà. Donc hop, je pousse ça. Je vais ouvrir. Ouvrez la cage aux oiseaux. Non, c'est pas la cage aux oiseaux. J'ouvre l'enveloppe. Tout doucement. Il faut l'ouvrir la petite enveloppe. Oh là là là, il y a des bien belles choses par ici. Ha ha. Il y a du violet. Alors, oh, que c'est beau. Waouh. C'est vraiment waouh. La carte, très jolie carte. Donc je vous fais voir la carte. Elle est magnifique. Donc sur une base un peu
crème, mais crème satin, doré, fin satin, ouais, c'est... Elle est belle, elle est beau ton papier. Elle est venue coller un papier de couleur rose. Rose, non, rose. Là, c'est rayé rose. Et elle est magnifique, ta découpe. Ouais, j'adore ta découpe. La maison, les petits sapins, en plus en holographique doré comme ça. Qu'est-ce que c'est beau! Des flocons de neige. Et 2022 qui sont découpés. Donc je vais lire sa petite carte. Ah d'accord, merci. Merci à Eva. Merci Eva. Ouais. C'est vrai, beaucoup de chocolat. Merci beaucoup, Lise et Eva. Merci à toutes les deux. Donc, hop, je pose sa jolie carte ici. Donc là, waouh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai un shaker fait main par Lise. Avec la superbe image, le petit nounours, la petite fille. Oh, c'est trop beau. Puis il y a des petits brillants. On dirait des petites bulles comme des petites bulles d'eau. C'est marrant. Le petit nœud, la dentelle. C'est magnifique. Je vous refais voir. Comme ça, il y a le petit... pour l'accrocher, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Merci. Merci beaucoup. Là, il y a des petites... comme des petites fleurs que tu as fait avec des découpes de ronds festonnés. Des embellissements. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis alors le petit papier, j'y pense pas à faire des petits papiers comme ça avec des bordures. Comme là, la bordure comme ça, c'est joli. Je vous refais voir. C'est trop beau. Merci beaucoup Lise et Eva. Alors Eva a mis quelque chose de spécial. C'est pour Libby Rose. Donc on va regarder. Donc, je vais enlever tout doucement le scotch. Donc c'est dans... J'aurais pu vous baisser, hein. C'est dans un joli papier de soie violet, comme j'aime la couleur violette. Et donc c'est Eva qui offre un petit vêtement pour ma Lily Rose. Hop. Alors, voilà. Waouh. Oh, une jolie robe. Oh bah, elle va être belle ma Lily Rose. Elle va être jolie ma Lily Rose avec sa petite robe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva. Ça me touche beaucoup. Du violet. Des petits fruits. Des ananas. C'est trop magnifique. Maman, merci beaucoup. Ouais, j'ai du mal à trouver des vêtements pour ma petite Lily. Ah bah c'est... trop beau. Alors j'ai tourné une vidéo mais je vous l'ai pas encore mise parce qu'il faut que je fasse le montage où j'ai changé Lily Rose, je l'ai mis dans son pyjama parce que c'est la seule chose que j'arrivais à lui mettre parce que la petite robe que j'ai achetée à Action était trop petite. Donc alors merci beaucoup Eva, vraiment ça me touche, merci beaucoup. Et puis alors le petit papier là, je vais le garder. Papier de soie violet. Oh, qu'est-ce que c'est beau aussi le papier de soie. J'hésite des fois d'en acheter parce que je connais un endroit où il y en a pas trop cher. Un Big Bazar sur Beaupro. Et puis bah je sais pas trop en fait à quoi ça sert, mais ça peut faire voilà un petit paquet cadeau.
Donc merci beaucoup à toi, Lise, et à Eva, bien sûr. Hein. Un grand merci à vous deux. Et puis, donc, vous avez le numéro 28. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vais remettre dans l'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai marqué sur l'enveloppe? Il faut que je marque le numéro 28. Que je sache quand même. Hop, 28. Donc, je mets là, dans l'enveloppe. Merci, merci. Hein. Ah, c'est trop magnifique. Alors, est-ce que je vais arriver à tout mettre dans l'enveloppe? Bon, faut que je m'y prenne tout doucement. Déjà, la petite robe, je vais la mettre de côté pour faire le change de Lily Rose. Et là, je mets la petite suspension, la carte. Est-ce que je vais arriver? J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches ce soir. Il n'est pas tard pourtant, il est que 4h moins le quart. Il n'est que 4h moins le quart. Alors j'ai reçu ton courrier samedi, midi. Mais samedi puis dimanche, je n'avais pas trop envie de faire des vidéos. Je suis restée, j'ai fait week-end pyjama. C'est pas bien. Hein? Ah, c'est pas bien. Donc merci beaucoup Lise et Eva. Et je vais faire une autre ouverture puisque j'avais deux courriers donc samedi, 15. Donc là, ça sera le numéro 29. Donc numéro 29. Un 2 et un 9. Pas un œuf de poule hein, ou un œuf de Pâques. J'avais coupé un petit papier. Voilà. Donc 29. Et je mets sur l'enveloppe 29. 29, 29. Donc c'est un courrier qui me vient de Valérie. Valérie B du 62. Voilà. Je vais écrire aussi sur mon carnet. Valérie B du 62. Donc j'ai fait le petit papier. On va tourner. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. La petite papaye, le papier dans la papaye. Bon, tu veux pas y aller dans ce sens-là, tu vas y aller dans l'autre. Hop, hop, dans la papaye. Ça bouge pas, numéro 29. 29, poum. Valérie, dans la boîte. Donc pareil, je vais ouvrir l'enveloppe. Ah, que je fasse attention. Que je fasse attention. Que je fasse attention. Ah, j'ai commencé à faire un lit pour Lily Rose avec un carton. Mais comme j'ai des sous qui viennent d'arriver, je crois que je vais faire... le carton en fait il est tout mou. Je crois que je vais aller sur AliExpress tout à l'heure. Je crois que d'ici ce soir ça sera commandé. Oh bah c'est joli tout ça, c'est joli tout ça, waouh. C'est quoi tout ça, c'est quoi tout ça, waouh. En train de lire, je vous ai pas fait voir. Oh baleine, pam 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 pam. Voici sa très jolie carte à Valérie. Elle est vraiment très jolie. Elle a pris une base de carte couleur crème. Et puis donc elle est venue coller un fond. Ça, je pense que c'est les fonds qu'on a eu dans les petits bouquins là 2020. C'est vrai que j'en ai acheté énormément, je sais pas quoi en faire. Ben c'est tout simple, hein, il suffit de suivre le modèle et on fait de très jolies cartes avec. Ouais, ouais, c'est super.
C'est super. Les petits die-cuts. C'est vraiment magnifique. J'aime trop. Donc je vais lire son petit mot. Tiens, je vais faire comme ça. Là. J'espère que tu vas bien. Bon, oui, pour l'instant, ça va. Il y a des moments où je suis très fatiguée, des moments où ça va... C'est un peu... C'est des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Hein. Un petit peu de haut, un petit peu de bas. J'aime quand c'est haut, mais quand c'est bas, j'aime pas trop. Moi aussi, je te souhaite une bonne année et puis surtout une bonne santé. Ah oui, donc il y a des cartes de ces garçons. Voilà, j'ai deux cartes qui viennent de ces garçons, Majid et Malik. Alors, donc une jolie carte de Malik et Mehdi. Mehdi qui a 4 ans, donc c'est une très jolie carte. Elle est magnifique la carte. Avec le petit rond là, on voit le petit dessin. La petite maison avec les gnomes. C'est beau comme carte, hein. C'est des très belles cartes. Et puis il y a le petit mot. Bonne année, bonne santé. Merci, merci beaucoup Malik. Merci Mehdi. 4 ans c'est normal, hein, à 4 ans. Normal, il n'a pas voulu trop faire, mais c'est normal un petit. Merci Malik. Et donc, l'autre carte, celle-ci, c'est Majid. C'est Majid. Donc un grand merci à toi aussi. Elle est très très jolie ta carte. Elle est vraiment très jolie. Avec le petit nœud rouge en haut, la petite maison. C'est vraiment... Et puis il y a le petit rond là. Et qu'est-ce qu'on voit? Le traîneau. Le traîneau. Merci beaucoup. Bonne année, bonne santé de Majid, 10 ans. Et Happy New Year. Merci beaucoup. Merci à Majid, à Malik et à Mehdi. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Et merci à Valérie, hein, quand même. Bah oui, oui, merci à toi, Valérie. Alors, Valérie, elle a accompagné ses cartes de deux petites choses. C'est... Alors, je vous fais voir. C'est des gabarits. Alors là, c'est un gabarit pour faire une boîte. On place le gabarit, je pense, sur une feuille A4. On fait tous les contours. On découpe tout autour et puis là on fait les traits pour les pliages. Voilà. Et ça nous fait une boîte. Et ça vient de Dutch Doobadoo. Ça j'en cherchais pendant un certain temps et j'arrivais jamais au bon moment quand il y en avait à... Je sais qu'il y en a eu un petit moment dans les noses. Mais moi les deux noses que je connais où je peux aller facilement... Bah, à chaque fois, je tombais pas sur ces choses-là. Donc, c'est vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup là pour faire la boîte. Ça a l'air d'être une boîte assez grande hein, quand même. Oui, je pense hein, que c'est pour faire une boîte. Il va falloir que j'étudie ça. Et il y en a un autre. Comme ceci. Alors là, je pense que c'est plus pour découper des pages. Je pense. Hein. Donc, merci beaucoup. On met dessus, on met des petits coups de crayon de bois pour faire les contours. Puis après, on découpe au ciseau. Et ça peut faire différentes tailles de pages. Je pense. Merci beaucoup.
Dutch Doubadou. Donc merci à toi Valérie. Donc Valérie du 62, merci beaucoup. Merci à Lise et Eva. Merci. Merci Valérie et puis tes trois garçons. Hein, Majid, Malik et Mehdi. Grand merci à tous les trois pour votre jolie carte. Et puis je vous souhaite bonne chance pour le concours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de scrap bisous. Au revoir, scrap bisous les copains et les copines.